Apple a sorti iOS 17.4 bêta 2. On va parler dans cette vidéo des nouveautés. Et surtout, si vous aimez ce genre de vidéo, pensez bien à vous abonner. Allez, même punition, comme d'habitude, on se dirige dans Réglages, dans Général, dans Mise à jour. Et voici donc la version iOS 17.4 bêta 2. On s'aperçoit que cette mise à jour pèse un peu plus de 900 mégas. Et surtout, attention, on est sur une version bêta développeur. D'ailleurs, il y avait eu un petit proco, on avait eu une deuxième bêta, enfin une preview, on n'avait pas très bien compris ce qui s'était passé. Apple nous sort ce soir quand même la version bêta 2 officielle. C'est d'ailleurs la première mise à jour pour Vision OS. Alors, iOS 17.4 sortira dans combien de temps? Tout simplement, on se dirige dans Réglages, dans Général et dans Information. On voit que cette version se termine par un E, ce qui veut dire qu'on a encore pas mal de versions à venir. Pour cette première nouveauté, on va trouver un tout nouveau widget qui va faire son apparition. Donc, comme d'habitude, tape sur un endroit vide de son écran. On va complètement en haut à gauche sur widget. On marque en fait horloge. Et ici, on a ce tout nouveau widget horloge ville numérique. Assez sympa, plus visible. Je l'ai mis en fond noir ici. Un nouveau donc widget horloge numérique pour les villes. C'est super cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit changement dans l'application livre au niveau des onglets. Le premier onglet complètement en bas à gauche, il est devenu en fait maison, il est devenu accueil. Alors que ici, je vous montre tout de suite à droite sur un autre iPhone, on peut s'apercevoir que sous iOS 17.2.1, on a donc l'onglet qui est resté exactement sélectionné. Lire maintenant onglet 1 sur 5. Actuellement sur vos iPhones. iPhone à gauche avec iOS 17.4 bêta 2. Le bouton maintenant complètement, l'onglet en bas à gauche s'appellera sélectionner accueil, onglet 1 sur 5. Accueil, alors que l'iPhone de droite, lui, aura donc un onglet qui aura changé de nom et qui s'appellera sélectionner, lire maintenant, onglet 1 sur 5. Lire maintenant, voilà donc tout simplement une nouveauté esthétique. Dans confidentialité, une nouvelle fonction est apparue, améliorée. Les connexions à carte, écoutez, je vous fais entendre. Qu'est-ce que veut dire ce terme ? Améliorer les connexions à carte. Bouton on. Aider Apple à améliorer votre expérience d'utilisation des comptes associés en partageant anonymement les informations relatives à votre compte avec Apple. Vous pouvez modifier votre choix ultérieurement dans Réglages. Améliorer carte et confidentialité. Lien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette toute petite nouveauté iOS 17.4 bêta 2. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines astuces.